Alors Olivier Weber, c'est un fait relativement peu connu. L'Afrique est devenue un continent central pour le trafic de drogue. C'est une réalité ? Oui, c'est une réalité, surtout l'Afrique de l'Ouest, en fait. Depuis quelques années, on voit bien, il y a pratiquement une stratégie de la part des trafiquants que de cibler quelques pays, des pays qui ont des revenus assez bas. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On s'implante sur le terrain, sur ces pays d'Afrique de l'Ouest, comme la Guinée-Bissau. On implante des intermédiaires africains. Quelquefois, on paye directement les trafiquants en cocaïne. On corrompt les institutions. On n'hésite pas quelquefois à abattre les responsables politiques, comme on l'a vu avec le président Vieira, le 2 mars, etc., etc. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cartels dont on nous a dit qu'ils étaient morts, les fameux cartels de trafiquants en Amérique latine, en Amérique du Sud, sont toujours présents. Ils sont imaginatifs. Ils cherchent à intégrer les routes. Qui sont à l'œuvre en Afrique. Ce sont pratiquement les mêmes, bien sûr. On est dans les sous-cartels, des sous-gangs, des sous-bandes, etc., qui font appel à des intermédiaires, qui payent très très cher. On parle beaucoup aussi de nouveaux moyens logistiques. On traverse, par exemple, l'Atlantique maintenant, tenez-vous bien, avec des petits avions bimoteurs, des avions qui sont auto-ravitaillés en vol, donc avec 600 litres ou 700 litres de kérosène, et donc ravitaillés par le copilote qui pompe dans les barils de kérosène à l'intérieur de l'avion. On largue la drogue au large de ces pays d'Afrique de l'Ouest et on revient sur les côtes sud-américaines. Les bateaux des clandestins, les bateaux des intermédiaires africains donc arrivent sur place, se repèrent au GPS et repêchent donc les ballots de cocaïne. Il y a une vraie stratégie. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, sur ces nouvelles routes de la cocaïne, celle-ci en particulier donc qui va de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe, puisqu'on fait remonter la cocaïne de l'Amérique du Sud vers l'Europe via l'Afrique de l'Ouest, emprunte aussi finalement le circuit des trafiquants d'êtres humains. Quelquefois, ce sont les mêmes. On est vraiment, encore une fois, dans le croisement des criminalités.